champagne, showbiz, hein, comme aurait dit Guy Latraverse. C'est aujourd'hui qu'on a rendu hommage, Christine, au père du showbiz québécois, décédé le mois dernier à l'âge de 84 ans. Et la cérémonie se déroulait à la Place des Arts avec sa famille, nombreux collègues et amis aussi. Ouais, une cérémonie menée par Dominique Champagne à la Place des Arts, lieu significatif d'entre tous. Évidemment, quand on pense à ce que Guy Latraverse a fait pour la culture québécoise, pour nos artistes d'ici, avec, oui, sa famille, ses amis qui ont fait des témoignages, des prestations également, des moments très émouvants. Grégory Charles a fait une prestation. Robert Charlebois accompagné de Diane Dufresne, ça, c'était un moment magnifique. Et Claude Dubois aussi qui a été invité à chanter pour son ami, un petit peu à la dernière minute, mais... il ne pouvait pas lui refuser ça, c'est ce qu'il m'a dit. Donc oui, il y a eu des moments très touchants, il y a eu des moments drôles aussi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est à l'image de Guy Latraverse, qui était un homme avec, oui, une grande vision, mais aussi un côté très, très festif. Et c'est ce qu'on voulait célébrer ce soir. Donc il y a eu de l'émotion, il y a eu de la reconnaissance aussi pour tout ce qu'il a fait. Vraiment, c'est ce qui est ressorti des gens à qui j'ai parlé. Et je pense qu'on peut peut-être écouter certains artistes que j'ai rencontrés, à commencer par sa sœur Louise. Allons-y. Vous savez bien que c'est touchant. On est touchés, ça vient de partout. Les gens sont tellement gentils, généreux. Cet hommage lui ressemble. Et c'est ça qui nous rend. Mais finalement, regarde, on a un beau sourire, tout le monde. Il n'y a pas grand monde qui peut dire de Guy Latraverse que c'est son beau-frère. Il y a toi. Ben non, non, mais... il est plus connu en tant que producteur et producteur télé aussi et tout ça. Moi, évidemment, je ne l'ai pas connu dans sa période où il était vraiment là, au top, là, dans les années 70, avec Yvon, Jean Lapointe, etc. Mais écoute, je l'ai vécu pareil, là, tu sais, parce que moi, je suivais ça, puis écoute, on trouvait ça grandiose. Alors, Robert Charlebois m'a dit aussi que ça a été difficile de chanter dans un moment comme celui-là. Il espère qu'il ne vive pas autant d'émotions comme ça sur scène. C'est un moment particulier pour lui ce soir. On salue la traverse. Absolument. Merci, Christine.